Cet audio a pour but d'aider les personnes qui se sentent différents du monde qu'ils perçoivent. Prenez une grande inspiration et fermez vos yeux. Pendant quelques instants, simplement faites comme si vous étiez en train de coller vos paupières jusqu'à ne plus pouvoir les ouvrir. Vous faites comme un jeu d'enfant et vous faites comme si vous ne pouviez plus à partir de maintenant les ouvrir. Et en essayant, ça reste collé, vous vous sentez bien et à l'aise de vous rendre compte que, en faisant comme si, vous pouvez à partir de maintenant aller plus profondément en vous pour vous permettre de vous apaiser, vous retrouver. Et surtout, commencez petit à petit à prendre conscience que même si ce monde n'est pas exactement ce que vous attendiez, vous pouvez également vivre plus apaisé, plus serein. Je vais décompter de 10 à 1 entre chaque chiffre. Simplement, je vais vous demander de faire comme si vous d'oubliez votre état de relaxation, d'apaisement, de connexion à l'intérieur de vous. Qu'importe la forme que vous allez prendre, laissez simplement aller votre esprit dans cette idée. Je me retrouve, je me coupe momentanément de ce monde pour me retrouver dans ce monde intérieur qui va me permettre de me ressourcer, de me retrouver. 10, 9, 8. Simplement et naturellement vous plongez à l'intérieur de vous. 7, 6, 5. Faites comme si vous étiez en train de plonger de plus en plus et simplement vous sentir bien, bien de mieux en mieux, vous sentir comme dans un état apaisé et apaisant. 4, 3, 2, vous savez qu'à 1 simplement, vous allez vous sentir en phase, vous allez vous sentir de mieux en mieux et que pendant toute cette session, vous allez vous permettre de modifier, transformer, avancer sur votre état d'esprit, votre état physique, votre état émotionnel. 1. Maintenant. Très bien. Maintenant, vous êtes dans une zone qui vous appartient. Peut-être que depuis des années, vous vous rendez compte que vous avez l'impression que ce monde ne vous correspond plus. Vous avez peut-être pris conscience de certaines choses qui aujourd'hui vous dérangent, vous blessent. Peut-être que votre perception, votre filtre actuel du monde est difficile à vivre. Vous avez peut-être cette sensation de ne plus correspondre à ces valeurs, à ces personnes, à ces actions. Cela peut vous blesser, vous toucher. Peut-être certains d'entre vous se sentent complètement mal vis-à-vis de tout cela. Peut-être que beaucoup d'entre vous aujourd'hui cherchent naturellement à se retrouver, à se recentrer. Respirez profondément et prenez conscience que vous êtes le créateur de ce que vous observez. Vous ne pouvez pas changer le monde. Respirez profondément et prenez simplement cette idée. Je ne peux pas changer le monde. Je peux simplement percevoir d'autres choses de ce monde. Ce monde est ce qu'il est. Personne ne sait réellement comment il est. Nous ne percevons ce monde qu'au travers d'un filtre. Imaginez-vous là maintenant, en train de regarder le monde au travers de vos lunettes, d'un carreau. Qu'importe la coloration du carreau, le monde sera différent. Bien sûr, il y a cette réalité commune que nous partageons. Néanmoins, dans cette réalité commune, nous ne vivons pas les mêmes émotions, les mêmes pensées ou les mêmes sensations. Alors, vous vous rendez compte que vous êtes unique. Vous êtes unique dans un monde de personnes tout aussi uniques. Il n'existe que cette réalité commune, cette réalité dans laquelle nous croisons d'autres personnes. Et parfois, cette réalité commune ne nous correspond pas. Alors, simplement prenez une grande respiration et retournez dans cette idée qui vous appartient. Je suis libre de choisir ce que je vais percevoir, ce que je vais focaliser le plus possible dans ce quotidien. Bien sûr, il peut y avoir des valeurs et des croyances qui ne vous correspondent pas, des comportements peut-être même qui vous rendent mal. À partir de maintenant, simplement, vous pouvez accepter cette idée. Accepter simplement que ce monde ne peut pas être modifié. En tout cas, vous ne pouvez pas changer les autres. Vous pouvez par contre prendre un instant pour vous, accepter que vous êtes apte à percevoir et agir de façon différente dans ce monde. Respirez profondément et petit à petit, imaginez simplement toutes les tensions de votre corps et de votre esprit en train de s'apaiser. Comme si vous étiez en train d'accepter que vous êtes
aussi capable de filtrer autrement, de percevoir autrement. Peut-être, bien sûr, que certaines de vos croyances ou de vos valeurs se sont effondrées. Ce monde n'est pas ce que je pensais. Ou peut-être, pire encore, vous avez cru que cette croyance d'être différent de ce monde était une réalité, un poids. Mais non, vous avez cette force et cette capacité, dès à présent, maintenant, de choisir, décider. Décider de voir de façon alternative. Décider de vivre de façon alternative. Vous êtes libre de vos comportements. Vous êtes libre de vos mots. Vous êtes libre de vos choix. Peut-être que parfois, cela ne correspondra pas au groupe dans lequel vous êtes. Peut-être cela ne correspondra pas à votre famille ou même à des entreprises. Néanmoins, vous savez que ce monde est fait de multiplicité, d'êtres uniques, et qu'automatiquement, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce que déjà, vous êtes là avec vous-même. Déjà, vous pouvez vous reconnaître par vous-même. Et puis, il y a certainement beaucoup de personnes qui pensent ou voient avec des filtres qui sont assez proches du vôtre. Parce que bien sûr, personne ne pensera comme vous, personne ne sera comme vous, personne n'agira comme vous. Vous êtes unique et c'est extraordinaire comme cela. Prenez simplement conscience que votre unicité vous permet aussi d'offrir de nouvelles choses aux gens et que d'autres personnes cherchent comme vous à s'unir, partager sur des valeurs qui sont communes, sur des idées qui sont communes. Et même si tout ne sera pas parfait, cela va vous commencer petit à petit à vous apaiser. Faites comme si maintenant vous étiez prêt à voir les choses qui sont plus justes et plus positives pour vous, qui répondent davantage à ce que vous souhaitez. Imaginez, dans tout ce qui se passe actuellement, dans votre vie, dans tout ce que vous avez entendu, vu, perçu, maintenant, faites comme si il y avait à l'intérieur de tout cela certains éléments que vous aimez, en tout cas qui vous touchent, peut-être qui vous font sourire. Imaginez simplement que dans des attitudes de personnes que vous n'acceptez pas du tout, il y a certaines choses qui vous touchent, qui vous touchent en positif. Peut-être que dans des mouvements ou des actions, il y a des groupes qui vous plaisent. Peut-être simplement, vous avez déjà perçu des éléments qui vous parlent davantage. Alors, acceptez simplement, d'un point de vue conscient, subconscient et corporel, cette idée. Je peux choisir les filtres de ma vie. Je ne suis ici pour commencer petit à petit à m'apaiser, à me retrouver et à me permettre de faire briller cette unicité, cette authenticité. Vous êtes unique et vous êtes lumineux. Prenez conscience que même si parfois cela peut être blessant, de ne pas toujours trouver un écho à ce qu'on pense et ce qu'on dit, vous êtes vous-même vecteur d'un changement. Vous êtes vous-même un offreur d'opportunités. Imaginez le nombre de personnes qui attendent peut-être quelques mots, quelques regards, avec vos valeurs, vos croyances. Osez. Osez de plus en plus. Osez être vous et simplement valoriser ce que vous pensez. Bien sûr, ce monde est ce qu'il est. Vous êtes une particule de ce monde et vous pouvez simplement vous permettre d'être plus vous et de partager avec d'autres particules qui vont, comme vous, vouloir s'unir, se réunir et se sentir bien. Imaginez simplement que, également à l'intérieur de vous, les différentes parties et perceptions de vous, celles qui s'opposent depuis des semaines, des mois et des années, vous êtes juste maintenant en train de leur faire faire la paix. Imaginez une poignée de main, imaginez un apaisement, comme si les différentes parties de vous, maintenant, étaient en train simplement de s'apaiser, se reconnaître et oser exister dans sa réalité interne comme dans la réalité commune, avec bienveillance, force, force de conviction, force d'expression et force d'évolution. Dans quelques instants, vous allez revenir dans l'ici maintenant, dans cette réalité commune, mais vous allez vous sentir plus en phase, plus présent et prêt à avancer. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. 5, fermez les yeux, ouvrez les yeux, ici et maintenant.